Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis en compagnie de Champak pour la suite des aventures de Tenko dans New Vegas. Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Champak. Alors, j'étais un peu con la dernière fois parce que je pouvais très bien venir me soigner ici, c'est gratos vu que c'est un truc, c'est le premier bâtiment que j'ai visité dans les aventures de Tenko dans New Vegas et j'avais du matos gratos. Ça rime en plus, hein, du matos gratos. Ah ouais. Wesh, ou du gratos matos, hein, c'est comme tu préfères. Alors je sais pas si vous le remarquez, mais il est possible que déjà les vidéos seront en HD depuis ce PC, puisque j'utilise le PC de mon neveu actuellement. Voilà. Qui est beaucoup bien meilleur que le mien. Ouais. Encore quoi, les jeunes ont toujours mieux que les vieux. Hein. Ouais. Là j'utilise une manette de Xbox 360 et je risque de galérer un peu avec l'interface au début, donc excusez-moi. Est-ce que j'ai un petit peu perdu la main? D'ailleurs, je crois que la quête ici elle est censée être activée. Ah, d'accord, il faut que je retourne voir l'autre con. Donc, c'est à prime. Ouais, c'est à prime. Bon, à savoir que je téléchargerai des packs de textures plus tard pour améliorer la qualité du jeu encore un peu plus. Ouais. On espère que ça vous plaira. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a l'air d'y avoir de l'enculé. Ouais, ça sent l'enfoiré. Tiens. J'ai cru que c'était moi sur le coup. Ouais, sûrement, j'ai eu la seconde d'hésitation aussi. Tiens, donne-moi de la dynamite, c'est parfait. Ah, la dynamite. La dynamite, alors ça c'est juste royal, hein. Ah, je monte de niveau. Ah. On met tout niveau 4. On met tout en... Je vais augmenter un peu la médecine parce que j'ai besoin et des explosifs parce que voilà. Ça explose. Et les armes. Les armes. Ouais. Tu vois. Ça c'est bien ça. Ça faut le mettre direct ça. Ouais. Il n'y a même pas à hésiter quand tu vois ça, que tu peux le mettre pour la première fois. Il faut le mettre. C'est effectivement ça. Alors attends, parce que c'est où déjà? Je confirme, c'est bien là qu'il y a le shérif, mais Ah putain, comme j'ai plus de marqueur, il va falloir que je le trouve manuellement. Je crois que c'est de l'autre côté de cette merde. Ouais, il me semble aussi. Je vais y aller en TCL au pire. On n'a rien vu, hein, encore une fois. On n'a rien vu. Ouais, on n'a rien vu, c'est vraiment nécessaire. Ouais. Alors, on utilise un micro différent de d'habitude. Comment ça? Et je peux pas utiliser le clavier? Ah non. Ah non! Eh ben va falloir jouer sans tricher. Hein. Attendez. Voilà. Juste le temps de me mettre en TCL. C'est pas bien. C'est pas très bien, non. C'est pas grave. Voilà, on va pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a les touches en mousse en plus. Ouais. Non, rebranche pas maintenant. Peut-être pas maintenant, oui. Juste le temps que j'aille jusque là-bas. Bon, on pourra éviter donc d'utiliser le cheat code. Ouais. On évitera. Ça incitera à pas trop le faire. Mais là, pour le moment, faut que je retrouve la maison et je ne sais plus. Où serait la maison du bonheur. Je pense qu'elle doit être par là. De l'autre côté de ces murs de merde. Ouais. Je me souviens. J'avais été coincé la dernière fois ici. Exactement. Cette petite maison qui ne paye pas de mine. Driving the California Sunset. Bah, j'ai quand même un doute au niveau du son. Je vais remonter le micro en fait. Ouais, on sait jamais. Excusez-nous si la qualité change, mais voilà. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho. C'est ça qui me fait le plus peur à la limite. Je rebranche. Ouais. J'aurais plus besoin de la console de commande. J'essaierai d'éviter. Hein. On va éviter, on va essayer. J'essaierai d'éviter le cheat. Bah, je me sens quand même mieux avec une manette dans un sens. Hein. Ouais. Pour manier le personnage du moins. Hey. Donc on va parler à Steven Randall. You ready for another job? Yes, I'm ready. Yes. Non, je vais pas perdre de temps. That's what I like to hear. Our client is offering 1,000 caps for this next target. And after hearing about her misdeeds, I understand why. The bounty is on a fiend named Eileen. She's a vicious twat with a reputation for castrating male captives and consuming her flesh.
Castreuse cannibale. The payout is big on this one, so bury that sick bitch and head back. Ok, on doit tuer une castreuse cannibale. Original. J'aime bien, franchement, ce truc de chasseur de primes, je m'attendais à moins bien. Chaussures de primes. Ça me fait penser à mon boulot, des primes chaussures. Donc. Des primes chaussures. Ouais. Parce qu'il faut porter ses chaussures. Bon, je ne dirai pas où je travaillerai parce que je n'ai pas le droit de faire de pub, sinon. Mais si on a nos chaussures à chaque fois, et ben voilà, on a une prime. Pas parce qu'on a le droit d'aller au boulot pieds nus, mais voilà. Alors attendez. Il y a encore ce bug de marqueur au niveau de la ferme. C'est vraiment un défaut du jeu qui est chiant. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour la prochaine vidéo, en tout cas, j'espère pouvoir vous offrir des textures meilleures que ça. Parce que là, je suis en graphisme max. Je pense que c'est plus élevé déjà que ce que j'avais sur mon PC à moi. Et malgré tout, ça reste des textures dégueulasses. Hein. Et aucun lag, hein, y a pas de souci. Le PC peut largement supporter ça, heureusement d'ailleurs. Ah, il y a eu un petit lag là quand même. Bah, je trouve qu'à la limite, ça. Je sais pas pourquoi ça. Ça passe mieux sur 360. Enfin. Parce qu'en fait, vu que sur PC c'est encore plus net, on se rend compte encore plus. Des défauts. Ouais, voilà. Ouais. Ça fait encore plus ressortir les défauts du coup. Enfin, c'est un avis personnel après. Mais c'est une impression comme ça. Ouais. De toute façon. Bah, mais bon, c'est vrai que moi je me trouve vraiment. C'est vide, c'est assez vide. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a des. Ça fait bizarre. Ça fait des grands espaces vides. Et regardez, le marqueur est toujours bugué. Ils veulent que j'aille à la ferme pour ensuite partir. Ouais. C'est vraiment bizarre. Faudrait que je rentre dans un bâtiment et que je ressorte si je peux. Si je trouve un bâtiment sur le chemin. Je pense pas que je puisse rentrer là-dedans, ça a l'air d'être. D'ailleurs, une question, enfin, est-ce que. Il y a autant de bâtiments que dans Fallout 3 à visiter ou. Je crois que la map est plus garnie que dans Fallout 3. Dans Fallout 3, la map est peut-être un peu plus grande, mais moins garnie. Alors que là, on croise quand même... Oh putain ouais, sympa. Je sors. L'hôtel, hein, charmant. Hein. Je sors. Ils savent pas ouvrir les portes, quand même. Non, pas exagérer, non plus. faut pas pousser. Non, enfin, bon, c'est gênant. Ah. Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Qu'est-ce que t'as vu, mon grand? La musique, j'ai peur de la musique. Je suis allergique, j'ai peur. D'accord. J'ai petits bras, grosses jambes. Ça aura été un long déploiement. Pense qu'il y a une chose. Rentre chez moi. Ah bah rentre chez toi. Ouais, c'est ça, rentre. Il nous fait pas chier. Ouh, là, ouais, il y a du rider. Quand tu passes normalement ce pont de train là. Il y a l'air du rider. Ouais. Pas du tox. Oh. Ah d'accord, c'est ça qu'il a vu le mec. Bon, on va aller les laisser, hein. Ouais. Oula. Je leur retourne jouer. La zone est très bien entretenue. Ouais. Oula. Eh, mais laissez-moi tranquille, je suis pas là. Qui c'est qui me tire dessus, là? Merde, vide. Je sais pas qui me... Ah, toi, là. C'est toi, petit... Ennemi. Dans les flammes de l'enfer, Joanne Pucelle d'Orléans. Pardon, excusez-moi. Ça sera Jeanne d'Arc, voyons. Un couteau. Fusil à répétition de cowboy, tiens. Donc vous avez remarqué, j'ai arrêté d'utiliser le lance-flamme pour utiliser l'incinérateur. Ouais, ça consomme un peu moins en fait. C'est proche. Donc là, hop là. Encore y avoir du rider dans le coin. C'est que franchement... Ouais, il y a du rider, ouais. Je sais pas si je vais pouvoir tenir aisément. C'est franchement pas sûr. Ah, j'ai pas vraiment d'endroit où me planquer en plus. Des fois, ce serait bien que tu crèves. Essaye de reculer, ouais. Bien. Ou d'utiliser un max le SVAV. Ouais, utiliser la dynamite. Ouais. Ça peut... Surtout que t'es assez puissant en explosif. Ça peut te sauver la vie. Ouais. Peut-être pas deux. Non. Un déjà pour voir. Allez. Boum. Elle a rien senti. Oula, c'est pas normal. What ça. The fuck. C'est un bug. Sûrement, ouais, ça craint. C'est un bug parce que y a pas de raison.
Normalement ça, ça blesse. Ou alors, Ouais, c'était un bug avant. Ta pousse était foireuse. Putain. Pire utilise, ouais, voilà. Et de, à fond sur la tête, quoi. Je me crois. À 54, tu tires sur la tête, ça va. Non, il te reste plein de PV. Ouais, mais je viens de les remettre. Sinon, j'en avais plus. Ouais, ouais, mais tu vises à fond la tête. Voilà, nickel. Paf. Hop. Crac, nickel. Putain. Il y en a un autre. Eh, ça va vraiment être dur, les amis. Étant donné que là... ah bah là, c'est la survie, hein. Là, c'est Fallout. C'est vraiment du Fallout, là, pur et dur. Surtout que j'ai sûrement pas le niveau pour faire ces, ce genre de mission. Ça, je crois que c'est puissant. T'as pris un fusil à levier tout à l'heure. D'ailleurs, je suis... D'ailleurs, si je, j'utilise, je sais, enfin, si je suis dans cette situation, le, l'idéal serait peut-être d'équiper une armure la plus résistante possible. Bah, ton montage, ça serait pris, mais plus puissant. Ouais. Et mon casque également. Et c'est pas mieux ce qu'elle a, elle, cette pute là ? Non. Non. Et l'autre pute là-bas, je suppose que non, non je plus. Je pense que c'est la même chose. C'est quoi ça, fusil laser ? Ouais, c'est la même chose. Je sais pas si le fusil laser ça. On n'est pas très puissant, il me semble, en ouais. Arme à énergie. C'est que j'ai pas énormément de munitions plus. Bon, j'ai un fusil à plasma de toute façon. Ça fera l'affaire. Ah ! Ah bah l'ennemi c'est lui. On va peut-être faire une petite sauvegarde. Ouais, on sait jamais. Voilà. Et on, j'ai rien de voir, on peut faire sans sauvegarde maximum. Tu peux mettre ton fusil à levier. C'est, tu pourrais te rapprocher de ces au corps à corps. Et bam. Fusil à levier. Ouais, dans l'arme. Ouais, putain, j'ai du mal. C'est pas disant. Un peu plus au-dessus. Ouais, voilà. Ça, alors ça, à courte portée, tu vas faire très très mal. Tu vas faire très mal. Alors ça. Ouais, ça c'est très bien ça. Ah d'accord, c'est une sorte de... Une sorte de petit canon scié en fait. Prudence. Donc il m'a pas vu, mais là, il se doute de quelque chose. En même temps, avec la fusillade, tu mets... On sent la, la tension de la chasse à prime là. Il est là-bas. Oh merde. Alors toi, alors là, bah, je pense qu'elle va plus avoir de tête. C'est elle la castreuse? Oui, c'est son nom. Ouais. Donc, tête infirme déjà. Ça fait mal ça. Hein. Elle est moche. Ouais, elle est affreuse. J'aime bien cette arme. Je sais pas pourquoi. C'est bon hein. C'est bon hein. On voit que déjà elle est beaucoup plus résistante que les premiers contrats. Hein. Du coup, il y a plus de suspense que dans les vidéos des vidéos d'avant. Ce qui est peut-être pas un mal. Alors là, peut-être une arme corps à corps. Ouais, ça serait pas mal. Ah, la masse. Une bonne masse. Ah, ouais, mais elle est un petit peu cassée. Ouais, une attrape de police. Que je peux utiliser. Ouais, c'est ou bien. Un petit pistolet à 9mm, c'est un pistolet à courte portée, c'est efficace. Ouais, j'ai plus de balles. Plus de balles. Il me reste 4 balles. Ou alors tu recules, tu mets des mines. Tu sais, tu cours un peu. Et elle va te suivre évidemment et elle va se prendre les mines. Voilà. Oh, merde. Tu vas boire ton propre sang ? Bon, tu le jettes dessus. C'est aussi une méthode. Ça marche ? Ouais, non, non. Ça marche pas trop. Au point ! Vas-y, au point ! C'est risqué quand même. Vas-y, au point ! J'ai plus de santé. Oh, tu peux faire du ralenti au point ? Ah non, pas avec ça. Allez hop, dans l'autre genre. Ninja. Ah, dans le cul. Ça lui fait rien. Vas-y, recule un peu. Voilà, recule. Bon, va falloir qu'on prenne un couteau, une matraque de police. J'ai pas de couteau. J'ai un coupe-chou. Ah, la coupe-chou, allez. Bon, ouais. Ouais, attends, ça, tu recharges un peu. Ouais, mais bon. On dirait un couteau à beurre. Ah, putain. Bon, bah, écoute. Ah, voilà. On sent. Et là, le Rolls, hein. Oula. Ouf, putain. SVV. La pute. Ah. Non, Ninja. Non. Ouh, putain, ça va jouer à pas grand-chose. Non. Mon bras. Pétasse. Taspé, te pue, Nasco. Bon bah on va la refaire volume 2 hein, round 2, fight. C'est parti. Bah du coup c'est plus amusant. T'as fait tes prières ? Dans un sens. Ah attends. Elle m'a vu. Ah, prépare tes mines. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé ça. Les mines. Que, en plus, en explosif, on commence à pas mal maîtriser. Merde. Et je vais me remettre à Fallout hein. Ouais. Ça t'a donné envie du coup. Ouais. Ah merde, c'est que ça. Oh là. Oh oui, oh ça enlève beaucoup ça. Ça fait mal hein.
Ah, en fait, il y a deux secondes à chaque fois, donc c'est cool. Ah non, j'ai la tête infirme, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Je pense qu'il va y avoir un round 3. Merde, putain, ah, ce qui m'énerve, c'est. J'ai l'habitude avec, avec Skyrim d'appuyer sur LT et RT pour équiper les armes. La pellette, ouais, nickel. Ouh, oui! Eh, hey, cette arme était plus puissante. Headshot! Hein. J'avais pas beaucoup de munitions, mais ça a suffi. Alors. Ouais. Thanks. C'est le basculator. Oh putain, oui, dégâts 19 quand même. Bien. Espèce de pistolet. Et masculator. Vas-y, je vais la mettre en favori, celle-là, tiens. Comme ça. Et à la limite, je vais mettre le fusil à levier ici. C'est pas mal, ça. Ouais. Mais bon, c'est peut-être dangereux d'avoir ça. Je vais utiliser ça, tant pis. Le plasma, c'est puissant. Ça, c'est de la merde. Ouais. Pétasse. Bon. Bon. On va peut-être pas chercher la merde là-bas. Non. On va éviter. On va essayer de se barrer. Ah putain, ça, ça craint. Peut-être se la jouer en voyage rapide après. Ouais, ouais, c'est ce que je vais faire. Je m'écarte juste pour pouvoir le faire, justement. Ouais, c'est bon. Et que ça fait mal aux yeux. Je déteste ça. J'avais horreur d'avoir la tête infirme dans Fallout 3. Alors juste vite fait, je vais aller dans ma maison pour me soigner. Je vais aller acheter des Steam Pack, etc. Si j'en ai les moyens. Je sais ce que je peux. Ouais. Donc c'est là ma maison. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ça fait mal aux yeux, hein, c'est... Je pense qu'il doit y avoir des mods pour que ça arrête de faire ça. Après, il y en a qui vont nous dire c'est cheaté, mais bon... ça fait tellement mal aux yeux que vous nous pardonnerez, hein. Ah, putain. Les radiations, on s'en fout, j'en ai pas. Comment on fait pour voir... Ah oui, c'est cette touche-là pour voir la troisième personne. Ouais. Mais là, c'était vraiment plus difficile que les autres contrats. Hein. On l'a tout de suite remarqué. Hein. Ah, j'ai oublié d'aller jeter des Steam Packs comme un con. Bon, c'est pas trop grave. Je passerai à Good Springs après, tant pis. Il doit y avoir un coyote là-bas. Non, c'est une ghoul. Elle m'a vu ou pas? Non. Ouais, ça augmente en difficulté. Ouais. Donc, on va pouvoir passer au contrat suivant. Ouais. Je me demande combien il y en a d'ailleurs. Aucune idée. Did you kill Eileen? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Good. I think every member of the male species is sleeping a little easier with that bitch dead.